Le service animation de la station a testé ce mercredi une partie des nouvelles illuminations prévues pour cet hiver. Le but de ce test était de vérifier la cohérence visuelle du projet ainsi que les contraintes techniques électriques. Là, on fait le test des AirStar Nightlights. C'est une surprise, hein. C'est pour les vacances de Noël, pour le 31 décembre. C'est vraiment la surprise. Donc là, on est en train de tester, de voir l'installation électrique. Où est-ce qu'on va mettre tous nos ballons, tous nos cônes, pour qu'on soit au top le 31 décembre. Là, on fait vraiment que la partie technique. On fait le repérage, on se débarrasse de tout ça. On valide l'implantation, les couleurs. Et après, on s'intéressera à l'artistique le 31. Mais ça, c'est une surprise. Outre le 31 décembre, ces nouvelles lumières illumineront la station chaque semaine, les jeudis soirs, pour une nouvelle animation nocturne qui répond au nom d'AirStar Nightlight.